La pollution de l'air dans le monde aujourd'hui constitue un, un enjeu majeur pour plusieurs pays et notamment plusieurs métropoles à travers la planète. Euh, cela se manifeste principalement à travers deux grands polluants, euh, notamment l'ozone, euh, l'ozone troposphérique euh, principalement, et puis les particules fines qui ont un impact très important sur la santé humaine mais aussi sur l'environnement. Euh, il faut dire que ces dernières années, dans la plupart des pays de l'OCDE, on a vu une baisse sensible de ces concentrations de polluants. Ce n'est pas le cas du tout dans les pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, où les métropoles comme New Delhi, Pékin connaissent des, des niveaux très alarmants de, de concentration de ces polluants. Il faut ajouter à cela que les tendances qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des métropoles de la zone OCDE se sont manifestées suite à la mise en place de politiques de contrôle notamment des émissions par des normes sur les véhicules, par des technologies modernes qui permettent aussi de réduire ces émissions. Euh, dans le cas des pays en voie de développement, c'est la croissance rapide qu'a connue la Chine ou l'Inde d'ailleurs, euh, est amenée à augmenter ses émissions. Alors il ne faut pas s'arrêter au niveau des émissions, il faut aussi voir l'exposition de la pollution à cette pollution urbaine. Nous avons des populations de plus en plus urbaines, concentrées dans des métropoles, et euh, générant des activités. Très économique très importante, des activités de, industrielles, mais aussi des activités de transport. Et cela constitue en fait euh, l'enjeu majeur pour l'avenir. Les causes euh, des, euh, des pollutions atmosphériques euh, sont, peuvent être de, de nature, enfin, des origines liées à l'activité anthropique de manière générale, mais aussi à des activités naturelles comme les volcans, l'érosion, euh, le faux de forêt, etc. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est euh, la suractivité humaine qui génère des émissions, des concentrations d'émissions polluantes très, très, très importantes. Euh, parmi les principales activités, euh, on pointe le transport, le transport routier notamment, et non routier aussi, euh, mais auquel il faut ajouter d'autres activités industrielles, euh, résidentielles liées au chauffage par exemple, qui sont les principales causes. Alors maintenant sur les conséquences. Alors les conséquences d'abord sont des conséquences sur les êtres humains. Euh, qui se manifestent par des effets sur la santé, des effets euh, euh, sous forme de différentes maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, euh, euh, d'autres types de pathologies qui peuvent apparaître et qui sont euh, très liées en tout cas à la, à la forte exposition à ces polluants. Euh, mais nous avons aussi, euh, et ça hélas ce qu'on avait constaté ces dernières années, euh, une augmentation de, de morts prématurées. Lié à l'exposition à ces polluants, un dernier rapport de l'OCDE publié en 2014, suivi aussi par un autre rapport de l'Organisation mondiale de la santé, pointe le chiffre de 3 millions de décès prématurés liés à la concentration des polluants. Ce chiffre-là est très alarmant parce qu'il correspond à des chiffres, je dirais, d'une grande épidémiologie en fait. Alors pour les solutions, il y a des solutions à court terme. Euh, devant l'enjeu et, et l'impact de, de ces émissions, euh, il est clair qu'il nous faut des politiques très rigoureuses en matière d'émissions polluantes, notamment euh, sur les, les véhicules. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que les solutions de court terme euh, peuvent être euh, efficaces, mais il faut aussi envisager nos modes de, de mobilité au sein de la ville, nos moyens de transport, et à cela, euh, les solutions émanent dans plusieurs villes. On a doré déjà des expériences dans certaines villes, euh, à savoir, il faut préparer la ville de demain à une mobilité douce, une mobilité qui émet moins d'émissions, et surtout une euh, exposition moindre à ces polluants. Euh, L'idée, par exemple, de préparer les villes à, à un transport, à une mobilité non motorisée, à donner place aux véhicules électriques. À, à encourager les formes de partage euh, des moyens de transport et surtout, bien sûr, le transport public qui constitue l'une des solutions très sérieuses. Alors les obstacles, les obstacles sont divers. Hein. Vous savez que en matière de pollution, euh, la principale idée qu'on a ici, c'est qu'il s'agit d'un problème d'abord de santé publique, mais aussi un problème d'environnement, car les polluants, notamment euh, L'ozone euh, troposphérique, le O3, euh, il pourrait affecter euh, très gravement la santé des humains, mais aussi il affecte la, la végétation. Il, est, il participe beaucoup à la réduction, par exemple, des, des, des rendements agricoles. Euh, et euh, les sources sont à traiter de manière euh, à ce que les solutions de court terme puissent joindre les solutions à long terme. Nos villes de demain doivent être préparées à, à accueillir de plus en plus de populations euh, et des populations de différentes couches sociales, hauts revenus, bas revenus. Il faut qu'on arrive à créer des conditions de vie où l'impact de ces polluants soit moindre. Euh, pour qu'il soit moindre, il faut que la ville soit préparée à moindre véhicule, le moins possible de voitures et d'émissions polluantes.